Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Horizon Zero Dawn. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu... pas... Ouais si, c'est du secondaire quoi. C'est de la... Oui c'est ça, c'est des tâches en fait, et puis du creuset. Voilà, donc on va rendre la quête auprès de Thame, qui nous demandait de retrouver son anneau et des peaux de sanglier. La chasse a été bonne? J'ai des peaux de sanglier et ton anneau porte-bonheur, Thame. Loué soit la toute mère. Et toi aussi, bien sûr. Mais où l'as-tu trouvé? Dans le gosier d'un sanglier. Lui, il a pas eu de chance. Je crois que je vais le porter en collier maintenant. Bon. Voilà, donc... Boîte de récompense, XP... Un petit sanglier comme ça. Hop. Ça fait un peu de viande. Bon. Alors, je voulais faire aussi celle-ci, examiner le village abandonné. Hop. À la petite vidéo astuce, c'est très pratique. Hein. Si vous l'avez pas vu, regardez-la. Ça permet de faire les déplacements comme ça, de manière illimitée, sans avoir besoin de fabriquer de nouvelles packs de déplacement. Voilà, donc allez voir la petite vidéo, elle dure 4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. J'explique brièvement comment on peut l'obtenir et où. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Dès que vous pouvez l'obtenir, je vous conseille de le faire, hein, franchement. C'est quand même pas négligeable. Parce que sinon, il faut se taper tous les trajets à pied. La patrouille du capitaine Balan a dû croiser des machines à cet endroit. Alors, examiner le village abandonné. Un des soldats Karja est mort. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Afficher la piste. Donc on va suivre la piste pour savoir où les autres sont allés. Encore un soldat Karja. Au moins, il n'a pas souffert longtemps. La piste reste allumée, c'est bon. Faut attention, il y a du monde à gauche, là. C'est quoi? Oh, c'est des grands fronts. Je peux pas les pirater encore, sinon on peut s'en faire des montures. Plus tard, quand on pourra les pirater. C'est pour ça que je voudrais faire un creuset en votre compagnie dans cette vidéo. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Ouais, ça nous emmène par contre dans une zone pas cool. Ça nous emmène dans une zone pas cool du tout même. On part dans... Non, c'est bon, on part dans la direction opposée apparemment. Parce que c'est une zone corrompue. Et comme j'ai déjà dit, je l'ai déjà essayé celle-là, et pour l'instant je n'ai pas le niveau. Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Nous donne lui des os. Enfin, un os. Ouais, suivre la piste. Mais la piste, elle va là-bas. D'accord. Ouais, c'est bon. On la voit. Elle reprend là-bas. On est sur la bonne voie. Regardez-moi ces mâchoires. Oh, il est niveau 20, oui, il faut faire gaffe. Je ne suis que niveau 15, personnellement. Un, deux, les gars. D'accord.
Alors la piste, elle va par où? Oh shit. Ça c'est pas bon par contre. Ça c'est pas bon. Alors la piste, elle va par là-bas. Il y a des veilleurs, gueule plus fort, t'as raison. J'ai battu toutes les machines et je descends de la bibine. J'ai trop rempli mon verre, je vais finir par terre. Je pense à ces jouvencelles et je voudrais me faire la tête. Ah, il est là, je le voyais pas. Ok. Fini, je suis pas encore. C'est quoi cette tenue? Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je pensais pas trouver un Karja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez, ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora, comme un prisonnier. Bien, on rentre tout seul. Attends, écoute, je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. Je peux pas rentrer à l'avant-poste sans arme. Trouve mon arc, allez. D'accord, juste... recommence pas à chanter. Ah ouais, il est niveau 20, il est sympa lui. On va attendre qu'il se calme en bas, parce que sinon je vais me faire attaquer de toutes parts. Oh merde. Ce qui est quand même le cas d'ailleurs. Bon, ils peuvent me laisser aller fouiller. C'est ça, y a rien à voir ici. Allez, on s'en va. Allez, on dégage. Je pensais pouvoir le pirater, mais il m'a entendu ce petit con. Et merde. Allez, calme-toi, toi. Voilà. Allez, hop, on va récupérer son arc. Par où je peux remonter? Par là. Allez, tiens. Voilà ton arc. Bonne chance à toi. Merci. Je voulais pas mourir en territoire étranger. Comme les autres, que le soleil éclaire leur chemin. Voilà, bon, ça c'est fait. Des petites tâches terminées, ça donne de l'expérience, c'est toujours bon à prendre. Alors, la suite. Non, je n'irai pas là-bas continuer. Est-ce que tu veux que je continue? C'est ici que je veux aller, hop. Pour faire un creuset.
voir en quoi ça consiste et récupérer des moyens de piratage d'autres créatures. Parce que pour l'instant, nous sommes assez limités de ce point de vue-là, donc... Donc ce serait pas mal de pouvoir pirater les autres. Il y en a 4 hein, creusés à faire en tout. Pourquoi? Et puis après on peut légitimement pirater la quasi-totalité ou voire même la totalité des machines. En parlant de grands coups là, parce que je vois que c'était marqué, il faudra déjà m'en occuper de quelques-uns. Alors, attends, c'est par là, c'est en face, ça évidemment, on tombe dans les zones avec eux. Hop. D'ailleurs, on va mettre plutôt celle-là en visuel, voilà. Ça doit être le creuset dont parlait Dral. Il doit y avoir un moyen d'entrer. Forcément. Effectivement, il doit y avoir forcément un moyen d'entrer. Des charognardes, des veilleurs. Et proc un petit peu. Bon. Ok, ok, ok. C'est pas bon signe tout ça. Plus ça vient dans ma direction, évidemment. Qu'est-ce que quoi? D'accord. Il y en a un qui m'a repéré parce qu'il y en avait un autre derrière. Allez, calme-toi, toi. Voilà, je l'ai piraté. Logiquement, ils vont s'attaquer entre eux. Logiquement. Non, c'est pas le moment de fouiller, c'est pas le moment de fouiller, c'est pas le moment de fouiller. Faut que j'améliore ma sacoche de ça parce que je peux pas emporter des masses. Alors est-ce qu'on est bon là? C'est un lapin, donc c'est bon. C'est pas lui qui va nous tuer. Là, ils sont là-bas, mais c'est plus loin, donc c'est bon. Signal non identifié. Ça, c'est de la porte. Mais comment ça s'ouvre ? Ah bah depuis tout à l'heure je maintiens, puis depuis tout à l'heure elle fait la danse de je sais pas quoi là. Bon. Vous êtes prêts pour un petit creuset là? Je sais pas du tout en quoi ça consiste. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être... des énigmes, je ne sais pas. Parce que c'est comme un mini temple dans Zelda.
Ou t'as un boss à la fin, je ne peux pas dire. En tout cas, c'est rempli de machines dans tous les coins. Hop. Bon. Le métal, la lumière. C'est comme si cet endroit faisait partie d'une énorme machine. Mais qui l'a construite ? Bonne question. Les anciens ? Effectivement, il y a de la lumière, hein. Ça nous éblouit même pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce truc ressemble à un tuyau triangulaire. À quoi ça sert ? Dissimuler en cas de besoin. Les gars. Ok. Alors là, il y a d'autres machins. Il y a un veilleur, deux veilleurs. Conteneur ferroviaire magnétique. Ok. Ces trucs déplacent les composants. Je me demande où. Ouais, ça camoufle pas des masses, hein, quand même. Allez, sois un peu plus doué là. Vas-y, achève-le. Quand il était piraté, il était plus compliqué à tuer, je ne sais pas. On peut fouiller les rats, c'est une chose à savoir. Attends, artisanat. Capacité de stockage, est-ce que ça je peux l'améliorer? Oui. Hop. Hop. Voilà, je peux prendre maintenant. C'est gigantesque. D'accord, elle veut pas le tuer. Bon. C'est pas grave. Je vais mettre ça de côté. Un peu de soin, ça peut toujours servir, surtout qu'on sait pas à quoi s'attendre. Liaison réseau. Machin d'aération, ok. Il n'y a rien, donc on monte. C'est assez particulier quand même, hein, comme zone. Faut bien le reconnaître. Avec des fleurs qui poussent dans le métal. C'est une façon de voir les choses. Je pensais pas que ça poussait dans le métal. Quoi, c'est peut-être pas du métal, je sais pas. Il fait tellement cette noir qu'on voit pas. Près du fossé. À quoi ça sert? Ah, maintenant tu te décides à analyser. Vas-y. Liaison réseau, ok. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure.
effectivement, ça peut créer un pont, c'est cool. Hop. Machin d'aération. Ok, ok, ok. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir bien grand chose à fouiller. On va avancer. Je fais des réserves. On voit pas grand chose hein, quand même. Je pensais qu'il y avait un truc là, mais non. Il n'y a rien. Est-ce qu'on arrive au bout ? Comme c'est le premier, peut-être qu'il est facile, je sais pas. Alors, on nous oriente dessus en tant que premier, donc c'est pour ça que je l'appelle le premier. On dirait que ces machines volantes déplacent des composants. Elles pourraient peut-être m'emmener. Bon, ouvre. Ouais, peut-être t'emmener, oui, mais comment? Tu veux sauter dessus? Ah, ça va être un peu ric-rac, hein. Comment tu veux t'y prendre? Celui-là, ça fait un peu haut. Hein. Faut bien le reconnaître. Celle-là, les machines volantes. Je le regrettais. Alors c'est vrai. C'est ici que les machines sont construites. Mais pourquoi? Et par qui? Et par qui? Ah oui. Ça doit être le cœur du creuset, certainement. Comment je peux y entrer? Très bonne question. À un moment ou un autre, faudra peut-être que tu me permettes de descendre. On va jusqu'où là comme ça? Parce que là le cœur du creuset qu'elle disait c'était de l'autre côté hein, quand même. Là je peux rien faire. Hein. Cette machine ne m'emmènera pas plus loin. Ok, c'est elle qui descend toute seule. Ouh, un veilleur. 2, 3. Je vais la voir. Comment je vais en face? Eh si, c'est quand même petites énigmes. Hein. Pas très compliqué, certes, mais fallait le voir. Fallait le voir. Toc-toc.
Bah vas-y, oui. Il y en a un autre. Il y en a encore. Il y en a même plus que un. Il y en a plus que un. Alors vas-y, bouge. D'accord, il veut plus bosser. Il ne veut plus bosser. On va le suivre, hein, parce qu'une fois qu'il est plus piraté, faut le buter, parce que sinon il va nous attaquer, forcément. Moi qui soit fait buter avant. Bon, ouais, fais ta vie, t'as raison. Moi j'y vais. Un étudiant. C'est déjà plus gros. Donc ça, je ne peux pas le pirater, à mon avis. Une espèce de gros crabe, apparemment. D'accord, tu montes là-dessus, mais là, tu veux pas. D'accord. Oui, c'est une façon de voir les choses. Est-ce qu'il est encore piraté, lui ? C'est pas dire. Elle rampe comme une araignée et a une portion de dos. Peut-elle bien contenir ? T'as raison, allez, viens voir par là. Tu m'as repéré, viens maintenant. Allez. Hop. Encore un peu. Ouah vache, c'est quoi ce... D'accord, on repassera pour l'attaque silencieuse, pourtant j'ai appuyé sur le bouton. Je vais faire profil bas. Je suis en train de lui pirater le trou de balle. Entre eux, qui est-ce qui va gagner, le mien ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai passé le test. Mais on s'en fout de ton test. On est plus là. Oh putain, il avait pas fait de mal du tout. Par contre, lui, il nous en fait. Vache.
Mais calme-moi, je suis bloqué là, calme-moi. Allez, crame. La vache. Eh bah, il est peut-être pas facile celui-là. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. Pour la fin, parce que là, j'ai plus de soins. Hein, on va être clair et net, j'ai plus de soins. Hop, le machin à pirater, c'est là-haut. Comment j'y vais? On va même regarder, si on n'a pas encore. Même ne serait-ce que des veilleurs, on sait jamais. C'est chaud quand même, hein, leur connerie là. Vache. Hop. Un petit peu. C'est vraiment léger de soin. C'est vraiment léger, léger. J'en aurais sûrement besoin. Ah oui. Je le crains. Je crains que t'en aies besoin, effectivement. Ou peut-être pas. C'est le premier, hein. Donc je ne sais franchement pas du tout à quoi s'attendre. À quoi on peut s'attendre. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même assez long comme zone. Le résultat en vaut le coup, hein, parce que évidemment. J'approche du cœur. On obtient de copirater d'autres créatures. Comme vous l'avez pu le remarquer, s'il y en a des plus grosses créatures à contrôler, bah forcément, c'est plus efficace pour nous protéger. Hein, celui-là, forcément, les petits veilleurs, ils sont laminés en 2 secondes. Hein. Je garde ça pour plus tard. Forcément, ils sont tout petits, ils ont pas beaucoup de vie, donc... Donc voilà quoi. Elle monte. Ah oui, ok, d'accord. Je suis descendu pour chercher ça, mais en fait, fallait peut-être pas descendre. Pas une bonne idée. Ça n'était même pas une bonne idée du tout. Ouais. Ça va. Bon, alors du coup c'est où? C'est là? Ah ouais. Mais c'est tellement sombre qu'on ne voit pas forcément. On sait jamais, ça peut servir. Bon, j'ai une barre de soins supplémentaires. C'est déjà ça pris. On va utiliser une petite partie déjà pour se remettre à fond. Cracheur boursouflé. Oh,
faiblesse ça. C'est sûr que mes flèches de feu là vont pas lui faire grand chose. Alors attends, il y a un, deux veilleurs. Pylône à énergie. Pylône à énergie. Ok. Caisse de ravitaillement. Ouais. C'est comme ça que les machines sont créées. Sculptées par la lumière. Il y a des signaux dans tous les sens par ici. Pylône à énergie. Comment on le désactive ça? Parce que ça, apparemment c'est ça qui fournit le bouclier autour de lui. Si je m'en approche, forcément qu'il va me voir. Donc je pourrais pas pirater le veilleur. Donc c'est pas une bonne idée de descendre. Donc apparemment, de toute façon, j'ai pas franchement le choix. Apparemment, je n'ai pas franchement le choix. Bon. On va essayer de rester loin. On va attendre qu'ils aient fait leur petit tour, eux, qu'ils soient de dos. Se rapprocher de ce fameux pylône, voir si on peut y faire. Là je peux pas monter. D'accord, je ne peux pas monter. Est-ce que je peux grimper sur la tour ? Ça serait pas mal. Apparemment ouais. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait quelque chose avec celle-là, il va s'en apercevoir. Du coup, je serai pas forcément en bonne posture. Parce que là, forcément, il va me remarquer. Pas une bonne idée du tout ça. Ah oui, il a baissé la deuxième, effectivement, d'accord, il va pas du tout me laisser bricoler, effectivement, ouais. Je confirme. Déjà deux petits de moins. On va essayer de pas tomber dans le feu, c'était pas mal. Il reste deux petits. Ouais, si je peux déjà me débarrasser des petits, c'est déjà pas mal. Allez. Ah, évidemment. La vache. Ben, mais il vise bien. Hein.
J'ai plus de soins. Quoi de si, j'ai encore des potions, c'est vrai. Si je me les jette dans le feu, c'est sûr que ça va pas le faire. Comment je peux le vaincre, lui? Parce que forcément, c'est un élément de feu. Alors, si j'essaye de le vaincre avec du feu, ça fait pas, quoi. Lui il peut utiliser d'autres types de trucs, mais pas les bonnes encore. Ah zut. Non mais... Putain la vache mais... Calme-toi toi. Comment je change d'arme? Ça, d'accord. Là, par contre, j'ai presque plus de soins. Là, j'ai plus de vie. Et j'ai pas pensé que j'avais un autre arc. C'est vrai, avec d'autres types de flèches. C'était déjà plus efficace forcément que le feu, puisque lui, il est élément feu. Alors, c'est sûr que ça aide pas. Quoi, j'avais l'air de pouvoir le faire prendre de feu quand même. Il y avait la petite jauge. Je dois me préparer. Oui, si j'avais pu en trouver plus du soin, ça aurait été pas mal, quoi. Alors, attends, un dé, on va s'équiper avant. Arme. Hop. Équiper. Ici. Hop. Modification. Non, artisanat. Modifier arme. Ça, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Hop. Hop. Voilà, bon, alors attendez, on va déjà voir où sont les deux petits. C'est comme ça que les machines sont créées, sculptées par la lumière. Il y a des signaux dans tous les sens par ici. Il n'y a pas les deux petits, là. Ça, c'était très malin, ça, oui. La vache. Non, je reconnais, c'était très malin. Potion de santé, potion de résistance. Anti-feu.
Potion de santé, Joe Mats. Bonus de santé. Bonus de santé de 150. Décoction à base d'esprit animal, soigne ou accorde un bonus de santé temporaire. J'ai mes flèches électriques équipées. Je me suis préparé, c'est un petit peu plus cette fois, c'est déjà plus logique. Allez. Par contre, j'ai été con parce que je sais pas pourquoi j'ai sauté comme ça, mais bon. Faut chercher à comprendre. Hop, on va déjà éliminer les petits, hein, comme tout à l'heure. Où est le petit qui reste là? Ok. Je peux pas en mettre un petit deuxième, non? Hop. Non, merde, j'ai pas vu que j'avais plus le machin de feu. Bon, alors on va déjà pas faire le con cette fois. On va descendre en rappel et pas comme un idiot. Désolé. Non, mais ça se passait beaucoup mieux là. On va rééquiper pareil. On va recréer les petites potions. Et vous allez voir, ça va se passer nickel cette fois. Hop, alors inventaire, arme, équiper. Ici. Hop, artisanat, modifier arme, ça, on va rajouter ça qui rajoutera un petit chouïa de dégâts électriques, pièges et potions, anti-feu, hop, hop, voilà. Un petit peu de potions comme ça, hop. Voilà. Des munitions. On va recréer des comme ça. Voilà. Hop. Déjà, c'est déjà mieux. Hop. Ça. N'oublie pas. C'est comme ça que les machines sont créées. Sculptées par la lumière. Il y a des signaux dans tous les sens par ici. Hop. Yeah.
peux pas les toucher. C'est quoi ce bordel? Ah, je peux pas du tout approcher la zone en fait. D'accord. Le champ autour de du gros me l'empêche. D'accord. Mais bon, j'ai déjà réussi à en toquer un petit déjà, ce sera déjà pas mal. Un petit bon. Voilà, déjà ça c'est fait. Voilà, déjà. Si je vise comme un pied, ça va pas aider. Ah, il est juste devant moi, je trouve moyen de le louper quand même. Assez efficace quand il me touche pas directement. Les potions anti-feu. Ok. Ah mais une fois qu'on est un peu plus sérieux dans ces dans les agissements, ça fonctionne tout de suite un peu mieux. Voilà. Et crac, voilà, je l'ai eu. Voilà, niveau 16 atteint. Et on peut atteindre le cœur du... On peut atteindre le cœur, voilà. Bon, j'ai été pas doué les deux premiers coups, c'est vrai. Des informations sur les différentes machines. Ça m'aidera à les pirater. Pas bouger là. Premier noyau piraté. Classe. Charognarde, corne filante, Dancy. Ouh, c'est bon ça. Et brouteur. Les Dancy. Les machins énormes. Bon. Et aussi ça. Et bah voilà. Voilà une bonne chose de faite. Et un creuset de fait. Voilà. Voilà, voilà, une bonne chose de faite. Alors. L'épisode est déjà bien assez long. On va donc se laisser là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je pense qu'on fera la vengeance d'Enora.
ça c'est un autre creuset. Ça c'est un troisième. Et le quatrième, il est tout là-bas. Bien, bien, bien. Donc il faudrait que je fasse les grands coups aussi, là. Histoire qu'il n'y ait plus de brume sur la carte. Ce qui pourrait être très pratique. Voilà, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme compétence, au fait, là? Vite fait. Augmente de 50% la durée pendant laquelle une machine reste sous l'emprise. Possibilité de récupérer des ressources supplémentaires sur les machines abattues. De toute façon, faut tout activer. Donc, 30% de dégâts infligés par les frappes. Attaque silencieuse du dessus par dessous de chef. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Et je crois qu'on va partir là-dessus. Hop. Et puis là-dessus, comme ça, on pourra fabriquer plus avec à partir de moins. Bon, un bon petit 9e épisode qui n'est pas sur l'histoire, certes, mais que j'ai bien trouvé, bien agréable. Le creuset, franchement, j'ai été lamentable sur le boss. Le premier coup, en tout cas, parce qu'après, c'est vrai que c'était un petit peu plus... comment dire... un petit peu plus organisé. Hein, une fois que je me suis souvenu que j'avais d'autres arcs, c'était beaucoup plus pratique. Tu veux forcément attaquer un ennemi de feu avec du feu, ça le fait pas de trop. Bref. Donc la prochaine fois, nous irons faire ceci ici. Donc, je vais essayer de nous rapprocher au maximum pour que ce soit pas désagréable au niveau du déplacement en début d'épisode. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures en compagnie de Aloy. Ciao.